Lisez le surat. Abandonne tout ce que tu fais, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel des armées.
Le Seigneur te dit, abandonne-la. Je te bénis, ma soeur. Abandonne tout ce que tu fais en cachette. Tout ce que tu fais avec qui c'est, que ton âme te condamne. Pourquoi te condamne? Le Seigneur te dit, abandonne ça. Si ton père te condamne, ce qui te dit que même le créateur n'est pas d'accord de ce que tu fais. On prend la soeur, les gens sont tous. Moi, je parle, parce que tu parles à ici, les gens. Voilà, il faut que le fils soit de présence. Soyez bienvenus, c'est le bon.
les fils sont blancs. Tiens, attends ce qu'il a dit. Là, comme c'est juste pour là. Je viens par c'est ce que j'ai à Le Saint Jésus vous aime. Soyez bénis. Je ne sors pas sans animaux. Ah, vous allez être bon, bon courage. Le Saint Jésus vous aime. Soyez bénis. Les jeux de l'univers. Vous le verrez au dernier jour de tout, parce que vous êtes comme. Jésus-Christ. Dis que tu voulais parler. À ton sauveur et à la porte. Il viendra chercher le sien, celui qui va accepter. Accepter Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne connaît le jour de sa mort. Ça me dit quoi? Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, où il est ton âme? Aujourd'hui, tu ris, tu te moques. Mais après la mort, ce sera le jugement, la vérité. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, celui qui m'aime, qui garde mes commandements. La parole de Dieu est la vérité. Tout cela, ce sont des trucs qui viennent des mondes des eaux. Les rouges à lèvres, les pommes de terre. Jésus vous a créé naturel. Dieu vous a créé naturel. Restez naturel. Moi, je suis belle comme ça. Quand je me lave aujourd'hui, je ne prends pas 4 heures de temps pour me laver comme avant. Avant, je prenais au moins 4 heures de temps pour me laver. Pour mettre les cheveux des Shakira sur ma tête. Acheter des marques, des pantalons pour me faire, pour exciter l'impudicité, pour exciter les hommes de venir me coucher et m'abandonner. Mais quand j'ai promis que tout cela c'était une abomination, nous sommes naturels. Quand nous sommes naturels, nous sommes belles. Nous sommes belles. La parole de Dieu déclare tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé est belle, est jolie. Il n'y a rien de ce que Dieu a créé qui est mauvais. Il n'y a rien. Nous tous, nous sommes des belles créatures. Que tu sois noir, reste noir avec ta peau. Blanche, reste blanche avec ta peau. Ne changez rien, n'augmentez rien. Là, c'est ce que vous augmentez qui va vous accuser devant le trône de Dieu. Jésus vous aime. Il est le seul sauveur, le sauveur de l'humanité. Il est le seul libérateur. Il est le seul juste juge. Il est le seul qui est capable de pardonner tout. Son amour est si profond que personne ne peut sonder.
si haute que personne ne peut la surmonter. Et cet amour pardonne tout. Même si tu as tué, tu as passé des années à tuer, tu as passé des années à voler, et que tu te décides d'abandonner tous tes péchés, Jésus est capable de te reprendre. Il est capable de te briser. Il est capable de circoncer ton cœur. Il est capable de te reformer. Il est capable de déchirer le vêtement sale sur toi, comme il avait fait sur, comme il avait fait sur Josué. Quand Josué était venu des langues, Jésus était habillé des vêtements de la saleté, des vêtements du péché. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé ses anges d'aller enlever ce voile-là de l'enfer qui était sur lui. Et les anges sur place ont revêtu Jésus du vêtement de la gloire. C'est la même chose que Dieu peut faire pour vous. C'est la même chose que Dieu peut faire pour toi. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et ce que Dieu n'aime pas sur nous, c'est que quand nous prenons son temple, nous prenons le temps à colorer le temple. Le Seigneur nous a créés et personne n'est capable de créer l'homme. Dites-moi la personne qui a créé l'homme sur cette terre-ci. Dites-moi si ce n'est pas Satan qui fait sortir les démons de chair pour les faire marcher sur la terre afin de semer la confusion pour que nous commençons à nous dégager, à tatouer nos corps. Sachez que plusieurs ici qui marchent, ce sont des esprits, des démons de chair, des agents de la sirène des eaux, qui sortent tout droit des eaux, avec des fonds de teint, des maquillages, des pantalons. Ils se déguisent pour venir séduire les enfants de Dieu. Ils se déguisent pour séduire les enfants de Dieu. Appelez Dieu. Cherchez la face de Dieu de Jacob. Cherchez la face du véritable Dieu. Il vous révélera les choses cachées. Il vous montrera ceux qui marchent avec vous. Il vous montrera beaucoup de gens qui marchent avec vous, mais qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont que des démons de chair. Et ces démons de chair, ils prennent le temps de se déguiser et sortir des eaux, venir dans les bars, dans les rues. Ils s'appellent des Jézabel. Des Jézabel pour séduire, pour vous dire, dessinez, faites des tatouages, faites des sirènes sur vos peaux. Je vous dis, si quelqu'un fait de telles choses, tu prends le serpent, tu dessines sur ta peau, sache que Lucifer, l'anti-serpent, le dragon, le serpent pillard va venir entrer dans ta peau. Et ça serait difficile pour toi d'aller au ciel si tu ne te repens pas. Et si quelqu'un prend l'image d'un homme, d'un président, met sur lui, et que ce président ne s'est pas repenti, il ne connaît pas Dieu, sachez que les démons qui sont derrière ce président, de même que tu colles ces photos sur toi, ces démons vont te posséder. Et si vous mourrez comme ça, c'est ces mêmes démons qui vont venir vous prendre à la porte du ciel. Soyez prudents, car le diable rôde comme un serpent venimeux pour vous de détruire, de déstabiliser. Aimez-vous tel que vous êtes et cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Ne copiez pas des choses sans savoir la signification. Moi, j'étais une maîtresse de copieuse. Je copiais tout. Je mettais les signes, je mettais tout. Je mettais toute forme de choses. J'étais la reine des banques. Mais le jour que le Seigneur m'a fait voir le monde spirituel, le jour que le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je puisse voir les démons qui nous entourent, pour que je puisse voir la sirène des eaux, pour que je puisse voir les esprits qui nous entourent, moi je me suis levé, j'ai pris tous ces masques que j'ai jetés. J'ai pris les faux cheveux, j'ai jeté. J'ai pris les cheveux indiens que j'achetais, j'ai jeté. J'ai pris tous les pantalons de masque que j'ai jeté. Parce que j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et quand je mourais dans le coma, c'est les démons que je voyais. C'est les démons qui étaient en train de m'accueillir. Alors que jour et nuit, je priais. Jour et nuit, je priais. Jour et nuit, j'implorais la miséricorde de Dieu. Jour et nuit, j'invoquais Dieu. Mais je ne savais pas que les masques qui étaient sur moi, les boucles, les chaînes, ce sont les signes des esclaves. Aucun homme n'est esclave. Aucun homme n'est esclave. Dieu ne peut pas nous voir de l'esclave. Vous n'êtes pas le droit. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous avez le cancer. Vous avez la hypertension. Vous avez la diabète. Vous avez, mais vous prenez les viandes sacrifiées, les viandes halal, sacrifiées aux démons. Sachez que Jésus-Christ est le véritable Dieu. En dehors de lui, Jéhovah, Allah, la Shekinah, Jéhovah, Allah, Shekinah,
n'est pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont des noms attribués à Dieu. Si vous voulez appeler le nom de Dieu, appelez Elohim. Appelez Yeshua Mashiach. Appelez l'éternel Dieu. Appelez le Tout-Puissant. Appelez Rabbi. Appelez le docteur par excellence. Allah n'est pas Dieu. Job n'est pas Dieu. La Chikina n'est pas Dieu. La reine du ciel que les catholiques adorent n'est pas Dieu. Ce petit bébé qui est sur la main n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un démon. Dieu est esprit. Dieu habite à chacun de nous. Si tu le cherches en esprit, en vérité, il se révélera en toi. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Beaucoup de religions ont dilué la Bible. Ils nous prêchent que le mariage, ils nous prêchent que la prospérité. Ils ont signé les pactes avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal qui veut dire quoi? L'antichrist. Ils ont signé des pactes avec la franc-maçonnerie. Ils ont signé. Aujourd'hui, nous trouvons dans les églises les alliances, les insignes de la franc-maçonnerie. Pourquoi vous prenez la Bible, une Bible sainte, vous mettez auprès de la croix, de la franc-maçonnerie, au milieu des démons pour adorer. Mais Jésus-Christ a encore de l'amour pour vous. Il n'est pas un Dieu. Il a dit, pour ceux qui vivent, ils ont encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Comme il est écrit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Jésus ne veut plus qu'on partage sa gloire avec maman. Il a mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il a dit, par la sagesse, choisissez la mort. Si vous adorez Dieu, en mélangeant Dieu avec les féticheurs, avec les pratiques, avec la franc-maçonnerie, laissez-moi vous dire que vous prêchez au désert.